Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis dans l'antre de l'horreur, et bienvenue dans Don't Die Minerva. Eh oui, Minerva ne doit pas mourir. Ce jeu, c'est une petite découverte que nous allons faire, et c'est l'équivalent sur PC, c'est peut-être pas très très bien comparé, mais Luigi Manoir Mansion, il me semble que c'est ça, le titre, le dernier Luigi qui est franchement super. Et voilà, donc un grand manoir rempli de saloperies, des fantômes, des loups-garous, des vampires, que nous allons devoir chasser. Voilà, c'est toute l'histoire de Don't Die Minerva, avec forcément des énigmes. Voilà, le jeu est sorti le 5, il me semble, c'est le 5, nous sommes le 7 décembre. Play 2019, hein, au cas où. Malheureusement, il n'est pas en français. Ah mon dieu, je me suis trouvé prisonnier. Ouais, où c'est. Ok, qu'est-ce qu'on est ici? Papa, maman, où c'est qu'on est? Qui sont ces gens? Okay, je crois que je suis perdu. Il y a looking like. Spoon, on dirait qu'il y a une lumière effrayante dans cette vieille maison. Super, j'ai une lumière. Bon, cette punking, elle est allergique à la lumière. Enfin, ça dépasse l'entendement. Salut. Oh, ça fait péter les machins. Comment on dit déjà une citrouille en français? Un appareil Halloween. Voilà, je... Ok, donc je peux... C'est pareil sur B. Excusez-moi. Bon, il faut aller voir la lumière effrayante. Donc, on est sur un manoir qui a l'air hanté du cul. Je peux pas sauter. C'est dommage. Je peux faire le tour. Et ça fait plaisir. Oh, la porte est toute rouge. Oh, il y a un petit chat, un chat tout noir. Tiens, je te mets la lumière dans la gueule, le chaton. Welcome. Comme une planche de Ouija. Les jeunes américains, ils s'amusent à faire venir des esprits. Il y a un monsieur qui a perdu la tête. You must be Minerva. Tu dois être Minerva. Butterworld. Butterworld. Quick, no, I'd offer you a tea. Really not a time to great Akinate. Lui c'est Butterworld. Vite fait, il aurait voulu t'offrir un thé, mais il a pas vraiment le temps. You don't have to cleavage. Bon, on va passer un petit peu sur l'histoire qui a l'air incroyable du cul. Upgrade. Eat living. Oh, je dois mettre des points. Eh ben, donc toi tu me sers à soit parler, soit mettre des points, mais pour l'instant je n'ai point de points. Oh là, il y a des photos de... Ah d'accord, donc les photos deviennent des cadavres. Oh, c'est sympatoche. Finally, a creature same having the mind of their own. Very discovery. Bon, bah, je ne suis pas Bob Lennon, je peux pas vous faire une bonne traduction, mais apparemment, il faut que j'aille trouver des créatures qui ont perdu l'esprit. Vous aussi, vous devenez remords? On appelle l'ascenseur, hein. Attention, je suis armé d'une lampe de poche. Oh, il y a un cadeau, c'est pour moi. Un petit monkey. Monkey level 1. Je viens d'équiper le monkey. Option résumé, oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, il me file de l'énergie. Déploiement de cooldown. De cooldown de quoi? Physical flame. Et donc, le singe fait du DPS. Et ma lampe torche aussi fait du DPS. Donc sur X pour le singe. Et il envoie des bananes. Donc en fait ça marche un peu comme un shooter. Le feu, je dois éclairer le feu. Ah, il y a une pièce.
Ah d'accord, donc est-ce que tu cours plus... Hou! Hou! Et donc ça fait shooter en même temps. Il faut que j'évite les... Ah il y a, donc c'est bon, je peux me... Je peux me diriger en même temps que... Ah d'accord, donc le machin, il a une jauge, enfin une jauge. Il faut que je garde les monstres dans la zone. Une jauge. Je ne sais plus parler, voilà, je ne sais plus parler. Mais je peux faire du kiting, c'est-à-dire reculer. En utilisant l'autre... L'autre Joy-Con. Oh. Bon bah allons-y. Alonso, dis donc, il est déjà blessé le monkey là? Ou c'est moi qui me suis fait? Ah mais je... Oui bah oui non mais c'est moi qui me suis fait blesser. Voilà, allez. Ah bah alors ça c'est le tapis de Shining. C'est un vieux film avec Jack Nicholson où il devient fou dans un... Où il y a des esprits, des fantômes et des saloperies, un ascenseur plein de sang. Ça veut rien dire. J'ai même pas besoin du singe pour vous tuer. Ma lampe torche est assez forte. Alors c'est pas trop mal hein, au niveau de la jouabilité, j'ai envie de dire. Voilà, nous allons chasser les fantômes et les esprits malins. À l'aide d'un singe qui lance des bananes et d'une lampe de poche. Eh ben ouais, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, donc ça le... J'ai un cristal rouge. Why not, j'ai envie de dire. J'utilise jamais les... Pourtant, je devrais. Où sont les méchants? Wow. Ah, il m'a buté. Et donc, je suis morte. Don't die, Minerva. Est-ce que c'est un roguelike? Est-ce que maintenant que j'ai buté des gens... Ah, d'accord, bon, bah, je reviens. Voilà. Je vais devoir revivre ma mort 1 000 000 de fois. What just happened? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Let's see what the Mr. Butterworld... voyons voir ce que Mr. Machin, il a à dire. Ah! Dr. Meldowl, greeting to young lady... Donc, ravi de te rencontrer, jeune fille. You can only be welcome. Ah, donc, tes sous sont toujours bienvenus ici. Il me faut 200 et j'ai pas de sous. Damage. C'est une pelle? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est un artefact qui me rajoute du FPS, du DPS, pardon, du FPS. Allez, roule ma poule. Apparemment, j'ai plus de sous. Donc je vais sûrement devoir mourir, hein. c'est un roguelike, tu meurs, bah tu recommences. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis mortel, je vais devoir revivre ma mort. Donne un essence for me. Est-ce que tu n'as pas d'essence de mort pour moi? Bah je sais pas. Qu'est-ce que t'appelles essence? Alors, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as pu ruiner with you, Seven of Fen? Magical place, Seven Chaman, be sure. Voilà, donc cette place est magique et un charme incroyable, n'est-ce pas? Few type, permiss me. Dish, key about dangerous. Need a way to your torch, flaming. Oui, bon, ça j'ai compris, merci. Bon, est-ce que... Je peux upgrader quelque chose? Non, il me faut vraiment des essences, hein. D'accord, je ne dois pas mourir. Je ne dois pas mourir et je n'ai rien ramassé du tout, c'est incroyable ça. Enfin, ça pue du cul. Donne le singe. Bah, équipe. Équipe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est par terre? Je peux pas le prendre. C'est du sang. C'est une fiole de sang. Why not? Est-ce que je dois tomber dans le puits? Est-ce qu'il est magique ce puits? Cette lumière incroyable qui casse tout, quoi. C'est génial. Donc, roguelike, donc touchant. Ouais.
Wow. C'est qu'il me tire dessus, salopio. Par contre, y a rien pour me recharger ma vie, on dirait. Hein. J'ai beau les buter, ça recharge que quick. C'est chaud les pots, hein. Don't die, Minerva. Droite ou gauche, bon bah allons par là. What's this? Must be a fountain that Mr. Woodward told me about. Il m'a parlé d'une fontaine, bon j'ai dû... What's now? Ah donc ok, je jette des pièces. Et donc je rattache mon âme à ce truc là, donc je vais pouvoir revivre à partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte Mr. Butter. Every floor you place the filter fountain to return here. Ah d'accord, temporary. Donc, sur chaque étage, tu peux trouver cette fontaine. Tu peux l'utiliser pour envoyer ton essence, un coin et tes sous. Risque long terme d'ici. D'accord. Qu'est-ce que ce truc? Oh, mais là, il n'y a rien à faire. Donc, il faut que je recommence tout. Donc, cette fontaine va me permettre de sauvegarder. C'était peut-être écrit que nous devions mourir. Return. Ouais, j'ai bien fait de prendre par là. Oh, dis donc, on dirait qu'il a l'air méchant. Il y a une petite fille toute petite. Et grand monsieur tout méchant. Y a rien d'autre? Je peux casser des trucs? Avec ma lampe magique. Bon bah super, donc chaque étage doit avoir ce truc là. Ouais, allons par là. Ça, il me lâche une seule pièce à chaque fois. Viens là, vilaine. J'ai plus de piles. Enfin, ça dépasse l'entendement. Eh bon, bah marche pas sur les plaques. Est-ce que j'ai une jauge de batterie? Elle doit être quelque part. Il doit y avoir une jauge. Oh, il a l'air méchant, lui. Y a rien pour m'aider dans le décor, hein, on est d'accord. Oh, alors, c'est pas facile d'éviter les tirs. Punaise, je m'en suis pris une. Don't die, Minerva, don't die. Ouais, non, mais ça va, j'ai compris. J'ai encore remouru, j'ai plus de sous, j'ai plus de pièces. Oh, mais c'est la misère. Mais c'est la misère du cul. Mais c'est la misère du cul, ce jeu. Mais enfin, c'est difficile. Ça n'a rien à voir avec Luigi. C'est marrant, Luigi. Dégage, le mort. Oh, mais ça dépasse l'entendement. Allez, donne le singe. Mon meilleur ami, le singe. J'aimerais bien voir plus de puissance de feu. Tiens, dans ta gueule, je t'illumine la face. Carlis, je t'illumine la face, moi. Je suis bien les Québécois. Qu'est-ce que tu équipes? Ah! Donc ça fait 38 plus l'effet durable. C'est quoi ça? Epic sphère. Allez! Epic sphère, donc on a un artefact en plus. Il est où? Il est posé à quelque part. Ah non, attends, c'est quoi ce truc du singe là? Donc Epic sphère, effet durable. Dommage, VS Fall. Giant and Sea. Ok, bon, bah écoute, voilà, allons-y. Ah, je vais passer par là. Encore le tapis de Shining. Le manoir de la folie.
quand même réussir à se faire un petit stuff pas trop dégueulasse. Alors, à 10 contre 1, je vais par là et je tombe sur la fontaine. Vous pariez? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ouais, viens. Oh là 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 là. Heureusement qu'il fait des dégâts le singe, hein. Heureusement, hein. Heureusement il y a Findus, parce que sans déconner. Et vous lâchez rien d'autre à vous. Vous êtes des radins, hein. Non seulement vous êtes mort, mais en plus vous êtes radins, c'est incroyable. Donc il faut ramasser le plus de fric possible, trouver la fontaine magique et puis aller le dépenser, parce que là. Ok, ça c'est. Ah mais tu lances des trucs de glace toi maintenant en plus. Non mais je vais remourir. Mais je vais remourir. Oui bon bah voilà, on va passer notre temps à crever sans dépenser le moindre sou, c'est honteux. C'est honteux. J'ai aucun cristal, j'ai rien, qu'est-ce qu'il veut? You may have to learn to be. Oui, bah. Comment tu veux que je le sache? Bon, bref. Allez, roule, il vient de me dire tu devrais apprendre peut-être les patterns et tout ça et où tu mets les pieds, mais t'es mort, toi, ta gueule. T'es mort, je suis une petite fille, j'ai un petit singe. Prévenir là les autorités, c'est honteux de faire travailler une petite fille. Oh là là, je m'en suis pris une, deux, et puis il meurt pas souvent lui, hein. Oh là 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 là, regarde-moi ça, j'ai plus de piles. J'ai plus de mana, c'est honteux de s'attaquer à une petite fille. Mais que fait la police, sans déconner, elle est trop occupée à taper sur les gilets jaunes. Bon, ça c'est des cristaux, alors bon, il paraît que c'est bien, mais ah, j'ai un cristal, j'ai 38 piécettes, mais il faut trouver la... Ah, donc, le singe s'en prend plein la gueule, donc ça me coûte du mana, hein. De placer le singe, ça me coûte du mana. L'autre, il vient directement me chercher, salopio, hein. Espèce de gros pervers dégueulasse. C'est bien, mon petit singe, t'es bien utile. Tu es très très utile. Et des fois, tu crois que c'est fini, mais en fait non, il y a d'autres saloperies. Donc, gauche ou droite. Oh bah, qu'est-ce que ça est? Oh bah, il y a un boss, là. Là, il y a un vilain méchant, quoi. Un large chest. Il dit... Alors, est-ce que... Oh là! Oh, mazette! Attribut. Plus 1 en feu. Chance to damage. 25. Lampe de poche. 47 de dégâts. Non. Attends, parce que là c'est important. Donc j'ai un singe. Et ça c'est un meilleur singe en fait. 112 de dégâts. Il fait 3 fois plus de dégâts. Non, 41 de DPS. Oh mais il a du critique. Il a 112 de critique, sans déconner. Ah mais tu dégages mon petit singe. Pardon, excuse-moi de te demander pardon. Mais... Et puis la flashlight est bien plus jolie. Hein.
Contre rien qui me redonne de la vie, c'est absolument honteux. C'est honteux, hein? Il faudrait revenir, il faudrait trouver la. Il faudrait trouver cette. Non, mourrez, mourrez. Oh, 3, je vais encore mourir. Pardonnez-moi, chers amis, je vais mourir incessamment sous peu. Un saphir équipé, bah. Ah, d'accord, donc ça c'est un gemme, et bah, et, ok, voilà. Passe sur ma nouvelle lampe de poche. Non, mais évidemment, la porte elle se ferme derrière, alors peut-être que. Là pour le coup. Bon, déjà, il va y en avoir d'autres, 3%, 3, 3 points de vie. C'est honteux, c'est absolument honteux, hein. Oh là là, putain, j'ai du bon matos, ça me. Ah, ça me fait scier. Alors là, je me dis. Parce que bon, j'ai une poche, une porte, une autre porte qui est ici. Mais je vais rencontrer de la saloperie, tu. J'ai surtout pensé à me barrer, hein. Bullet time, hein. Bravo, mon petit singe. Je crois qu'il faut la jouer comme ça, il faut se barrer, hein. 3 HP, hein. Oh là là, c'est honteux. Voilà, merci mon petit singe. Ah, il y en a d'autres, il y en a d'autres, super. Il y a un pédophile, là. C'est honteux. Oh, j'ai gagné une clé. Merveilleux. Il me faudrait cette fontaine. On trouve la fontaine, on gagne tout là. Ah, c'est le bonheur, la fontaine. Très sympathique le jeu. J'aime bien les roguelikes. Je vous le cache pas, j'aime bien les roguelikes. Bien que là, le début est un petit peu fastidieux, j'ai envie de dire. On comprend très vite, hein, mais bon, voilà. Un poil fastidieux, c'est sûr que s'ils se mettaient à commencer à capturer des fantômes, ouais, Nintendo se dirait, attends, ça c'est notre truc, on te fait un procès, ce sera pas le premier, mon gars. T'as compris? Bon bah, voilà, prions, prions mes frères. Wow, regarde-moi la saleté. 3 HP, rien pour me heal. Qu'est-ce que c'est ça, équipé? Donc c'est une gemme. C'est une gemme de l'énergie. Est-ce que je devrais plutôt le mettre là? Effet durable. Donc ça donne de voilà, énergie, regain speed. Oui, plus 2, allez. Et du coup, celle-là, bah, je vais la mettre là. Comme ça, c'est fait. Mon petit singe. Merci, mon petit singe. Il est bien, ce petit singe. Hein. Super, 22, j'ai 200 piastres. On reste en mode Québec. Alors, évidemment, j'adore les Québécois. J'ai passé 1 an de ma vie, mais tous les jours, passé quasiment 24 heures avec un ami qui vivait au Québec. Tous les jours sur World of Warcraft, il avait un DK. Un DK, un Dark King, comment on dit déjà, un chevalier de la mort. J'avais un guerrier. Et donc, comme ils étaient pétés, bah, on a commencé d'abord par 2-3 aimabilités, quoi. Genre espèce de saloperie de déca de mouise. C'est honteux. C'est honteux. Bon, donc j'ai 4 portes. Enfin, 3. Oh là là, elle est où cette fontaine? Donc elle est pas là, on est d'accord. C'est
compliqué. C'est compliqué. J'ai hâte d'avoir la fontaine. La fontaine de sang. Allez, elle est là. 10 contre 1, elle est là. Non, non, mais j'y crois. J'ai la foi. J'ai la foi, je. Ah, oh, putain, oui. Ah, oui. Yes. Ah, yes, ma poule. Yes. Et est-ce que les améliorations vont être durables, là, maintenant? Ah, je trouve la fontaine, hein. Ah, moi, je suis content, là. Donc, je peux ressortir et aller acheter des trucs. J'ai 10. J'ai quasiment 300 pièces. Qu'est-ce que c'est que ça? More item. Are you sure you want to see new item? Ah oui. Bah du coup, 200, bah j'ai pas le choix. Parce que bon, là. Ah non, attends, non, attends, attends, attends. Allez, oh, doucement, douce, doucement, doucement. Donc ça, c'est les items qui vendent, en fait. Donc ça, c'est une flashlight qui fait plus de dégâts. Une flashlight, une lampe électrique, en français. Et ça, c'est pareil, une lampe électrique qui fait pas beaucoup de dégâts, parce que ça, c'est du caca, ça. On est bien d'accord, hein? La mienne, c'est celle à 67, niveau 2, et ça, c'est 38. Donc ça, c'est de la mode. Y a rien d'autre. Y a des godasses qui font 300 quand même, hein? Donc en fait, j'ai pas les moyens, quoique. 400, donc en fait, je vais me faire voir, hein? Donc en fait, c'est de la mode. Bon, upgrade, j'ai 4 trucs. Ok, heal, heal light, lighting. Healing lighting, est-ce que c'est ma vie ça? Exit elevator. Room will be offer. Smell potion. Healing, oui, c'est ça. Donc il y a vraiment une petite potion de heal pour chest unlock. Doesn't want no. Coin pour chest. Make a break. To make an omelette, eggs mush. Must be broken, have a chance. Et ah, donc j'ai une plus de chance de trouver une omelette? Je vais vous dire ouais, d'accord. Maybe we use the flashlight to unlock a secret door. Non, par contre, j'en ai que 4, quoi. Écoute, je vais faire ça comme ça. Hein, on va dire ça comme ça. Il y a plein de choses, hein, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Bon bah voilà. Bon j'ai un peu de sous, j'ai quand même 300, mais ça sert à rien. Et ça c'est bloqué, c'est loqué. Il y a plein de choses à faire, il est super ce petit roguelike, hein. Il est vraiment super. Bon ça c'est 450, ça c'est 300. Pff, oui, ça c'est pour changer d'item. Je vais peut-être les garder. La seule chose c'est je voudrais de la vie. Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir un peu de vie s'il vous plaît? Parce que si je repars avec 3... de vie, c'est la baise. Et pas comme j'aime, j'ai envie de dire. Ah, ça pète, ça fait plaisir. On y voit comme à travers une pelle, là. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi la chambre rouge? J'ai des sous, tu veux des sous? Non, c'est bloqué. Bon, bah, apparemment, on va devoir repartir, je pense. On va devoir repartir pour aller mourir. On n'a pas assez de pièces. Mais, j'ai envie de dire mais, parce que bon, maintenant que je sais où est, où est la fontaine, je peux revenir. Alors, je peux gagner des sous, je peux revenir. Le problème, c'est que j'ai 3. Le problème, c'est que j'ai. C'est ridicule, ma vie. Ma vie, c'est de la mode. Bon, on a fait ce coin-là. On a été voir, on a tout exploré dans la zone, là. C'est un peu dommage que la petite carte elle montre pas où je suis par rapport à la pièce. Tu comprends? Donc ça c'est la grande pièce. Il n'y a qu'une seule sortie, c'est là-bas. Apparemment il peut y avoir des secrets aussi dans. Comme ça c'est une chaise, c'est pas un secret. Ok. Ça fait pur. Voilà, donc à partir de là, on reprend le combat. On reprend le tatakai. Attention, ça va chier. Les petits fantômes qui sont pas de l'amour, on y va. Putain, il fait des coups électriques maintenant, salopio là. Si j'arrive à 450.
Ouais, tu vois, j'ai gagné quand même pas mal de pièces 7 là tout de suite. Il va y avoir d'autres ennemis là. Si je le sens. Bon bah je sens rien du tout en fait, c'est des conneries. Oubliez ce que je dis, c'est de la merde. Ah, il me coûte aussi du mana. Hein. J'ai eu de la chance outre avec ces trucs de glace là. Donc c'est en face, hein. C'est pas ailleurs, c'est en face. Qu'est-ce que c'est que cette misère? Ça file du fric. Merci. Ah, j'ai cru qu'il va y avoir un boss. Ok, donc là j'ai 416. J'ai fait tout l'étage, le premier étage, et je n'ai que 416. Et je vais faire le prochain étage, mais c'est pas terrible. Ça fait peur, en fait. Est-ce que je devrais aller dépenser mes sous? C'est ce que je vais faire, je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller dépenser. Je rentre. Je rentre parce que je sens la mort arriver. Vite, très très vite. Parfait, on est passé, c'est le plus important. On est passé, on est passé. On sait bien, on a survécu avec 3 points de vie. Kairouche. C'est baisé. Je peux faire l'aller-retour qu'une seule fois. C'est baisé. Je me suis dit, j'ai un peu de sous, je vais les dépenser. Il y a le truc à 350. Donc sinon je vais me faire. Allez, on va aller prendre cet ascenseur de mort là. Cet ascenseur dégueul. Ok, on y est. Ah, l'ascenseur dégueul. Ah, je m'en remets pas. Sans déconner, je m'en remets pas. Ils peuvent pas me soigner. Ils peuvent pas. Y a rien pour récupérer de la vie. Donc à mon avis, je sais pas. Entrons. Entrons pour y voir ce qui s'y passe. Sympathique comme jeu, hein. Vraiment magnon. Niveau 2. Ah, je casse tout dans ton manoir dégueulasse. Ils attaquent mon singe. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Il me fonce dedans, il me fonce dedans. 3 points de vie. Ces trucs de glace, c'est un miracle que je les évite. Hein. C'est un miracle. Hein. Moi, je vous le dis, moi, c'est un miracle, hein, monsieur dame. Hein. C'est honteux d'envoyer une petite fille. Non, j'ai... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, toi, tu bloques. Voilà, j'en étais sûr. Donc lui, il a un bouclier à l'avant. Et donc, du coup, bah, je fais, c'est la mode. C'est la merde de... Voilà, tu comprends. C'est honteux. Ah, donc, plus de fric, plus rien. Il faudrait quand même avoir un petit système, histoire de t'en laisser, je sais pas, moi, 30-40% au début, 25% au début, et puis que le taux avance un petit peu, mais là, c'est honteux, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, c'est honteux. Est-ce qu'il faut que je me retape tout le premier niveau? Parce que si c'est ça, c'est honteux quand même. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Dead, certainly, setback, but I have some slave for you. Would like to suspend. Cannot taken from. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a un sort pour moi? Are you used in the look of power, standing? Incarnate, revival, some. Quoi? Attends. Stand the heart, shield. What death, new dawn, if you let me. Fais voir. Oui, mais même... Bon, écoute.
Non, mais alors, c'est un ascenseur, disons, c'est un ascenseur. Maintenant que le niveau 2 est débloqué, j'ai envie de dire, t'as le bouton du niveau 2 qui est débloqué. Comprends? Level 1, je vais me faire foutre en fait. Est-ce que j'ai encore. C'est un singe le niveau 1. Voilà, ok. Bon, voilà. Petite lampe de poche dégueulasse, petit singe dégueulasse. Ok, chers amis, on va se laisser là. Ah bah attends, qu'est-ce que c'est un petit quartz? Ouais, j'ai envie de dire 15 minimum 1000. Eh bah, mets-moi ça sur ma lampe de poche. On va se laisser là. Très joli petit jeu, sincèrement. Sympathique, très très sympathique. Peut-être un poil difficile au début, comme les roguelikes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ah, ça c'est... Ça. Un poil compliqué, j'ai envie de dire. Voilà. Mais addictif, hein, sympathique. Je ferai peut-être une autre vidéo. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de jouer à un autre jeu. Ah d'accord, donc on a un pendentif commun et il y a un autre pendentif. Bon bah au moins on a plus d'items. Non, j'ai envie de jouer à Automation Empire. En plus, vous aimez, moi je rêve de ça la nuit. Donc voilà, sur ce gros pouce bleu, gros abonnement, si vraiment vous voulez voir plus de ce jeu, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que bon, en ce moment, mois de décembre est assez chargé en sorties jeux vidéo, hein, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de belles sorties, et ça en fait partie. Hein, franchement, je voulais vraiment l'essayer, et très très joli petit jeu. Je ferai peut-être d'ailleurs une autre petite vidéo où je serai au niveau 2 ou 3, ou quelque chose dans le genre. En tout cas, maintenant, j'ai plus les bases du truc. Là. Minerva, je l'ai en main, quoi. Hein. Minerve. Je m'en suis pris une. Non, je m'en suis même pas pris une. Regardez-moi ça. Je suis de plus en plus fort. Hein. Je suis de plus en plus forte, j'ai envie de dire. Voilà, on va leur faire plaisir aux féministes. Qu'est-ce que c'est que cette mode? Wow, pourquoi t'es vénère? Pourquoi t'es... Qu'est-ce qu'ils sont vénères, nom de Zeus? C'est une petite fille, calmez votre joie. Bon, bref, vous l'aurez compris, sacré jeu, hein, sacré jeu. Allez, tchou tchou bye bye, des bisous, gros pouce bleu, gros abonnement. À la prochaine.